Ouais, je pense que c'est bon, ça tourne, ouais, c'est bon, ça tourne. Là, je me sens comme si j'étais au tribunal. Mais vas-y, c'est bon, ça va le faire, ça va. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, les gars. Les gars, un an d'absence. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous en vouloir et c'est compréhensible. Hein. Pendant un an, on n'a fait aucune apparition. Quelques petits messages sur les réseaux, mais c'est vrai que ça fait un an. Ça fait un an, les gars, et c'est enfin la reprise. La reprise. Les gars, il y a eu plein de choses, faut que je vous explique ce qui s'est passé un petit peu entre temps et tout. Les gars, pendant un an, ça a été l'année 2021, ça a été une année vraiment difficile pour moi, pour ma part, pour Omar aussi. C'est-à-dire que déjà, côté santé, c'était pas ouf, pas des problèmes de ouf, mais bon, le Covid, vous voyez, tout le monde connaît, on a enchaîné 2-3 fois le Covid. Ça, c'était pas facile. Quelques petits soucis de santé, bon, pas besoin de m'étaler dessus, je pense que ça peut rester un petit peu personnel. Et j'ai dû commencer à me concentrer un peu, les gars, sur mes études. Parce que YouTube, c'était bien, c'était un taf. Je sais que je pouvais en faire mon taf si je travaillais de ouf. Mais voyez, vous savez très bien, la famille, que par moment, bah voilà, faut faire des choix. Et là, j'ai choisi quand même de privilégier un peu mes études. C'est-à-dire que pendant un an, je me suis concentré sur mes études. Là, les gars, c'est stable. Mes études sont archi stables pour l'instant. Voilà, je kiffe ce que je fais. Pour ceux qui demandent ce que je fais, je suis en web design. Après, les gars, je sais pas si vous connaissez. Les gars, c'est la reprise des vidéos, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la reprise des vidéos. On va reprendre des vidéos là toutes les semaines. Vous allez me voir, clac, 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 YouTube. Grosse surprise, les gars. Je me suis démené. Pour certains, vont dire ouais, t'as arrêté YouTube. Voilà, tu reviens comme ça. Mais les gars, je suis pas revenu comme ça. Pendant au moins 5 mois là, les 5 mois depuis septembre, j'ai rien d'investir, que ce soit de l'argent, de mon temps, de tout ça, pour essayer de recréer un projet stable et tout. J'avais plus de PC. J'ai dû réinvestir dans un nouveau PC, un nouveau setup que vous allez bientôt voir en vidéo. Je pense que vous verrez avec Omar. Un nouveau setup complètement changé, avec une ambiance. Pour les gars, pour vous proposer quoi? Pour pouvoir vous proposer des streams, les gars. Donc les gars, il y a un nouveau planning qui va commencer sur la chaîne. La chaîne, ça va être quoi? Ça va être mercredi, vidéo IRL avec Omar et la code familiale en général, parce qu'on se voit assez souvent entre nous. Sinon, vous aurez aussi le droit à une vidéo le vendredi Fortnite, exclusivement Fortnite, sera Omar. Les gars, proposez-moi en commentaire des défis. Les gars, c'est les défis, on veut voir. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube, les gars? Faut que vous me le dites. Ça fait longtemps, mais j'ai envie de voir vos retours. Ouais, Omar il m'a manqué, j'ai envie de le voir jouer faire ça. Omar il m'a manqué, j'ai envie de le voir laver un lobby à Tilted. Les gars, dites-moi tout. Et ensuite, les gars, samedi, dimanche, stream. On va streamer, on va liver. Donc le samedi, dimanche, on va stream. Moi, personnellement, je streamerai de 20h jusqu'à 23h parce que mon forfait me permet ces horaires-là. Et Omar, ça sera plus dans l'après-midi de 15h, 16h jusqu'à 18h, live Fortnite sur Twitch. Les gars, moi j'ai ouvert ma chaîne Twitch, je vais pas live sur YouTube, je vais live sur Twitch, voilà, j'ai toujours kiffé la plateforme de stream Twitch. Donc les gars, je vous ai fait un petit planning, je pense qu'il va s'afficher en vite fait. Donc comme je vous ai dit les gars, mercredi vidéo IRL, vendredi vidéo Fortnite, détente, vous revenez de l'école, c'est le week-end, il y a Omar qui vous attend sur un défi chill ou un truc bien hardcore, bien tryhard. Pour ma part, après le week-end les gars, ça partira en stream. Moi pour ma part, alors Omar quand il va stream, ça va être Fortnite, moi quand je vais stream, ça va être vraiment détente les gars. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos ensemble, on peut regarder des films, des séries ensemble, comme on peut jouer à des jeux d'horreur, on peut jouer à, je sais pas, moi je peux jouer à FIFA parce que moi je kiffe FIFA les gars. Donc voilà, ça va vraiment être chill, vraiment, ça va être, les 20h, 23h c'est détente les gars, en détente, et Omar ça va être le moment tryhard. Donc les gars, comme je vous ai dit, comme j'ai eu pas mal de problèmes de santé et tout, maintenant ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Avec Issa, je sais pas si vous savez, Issa il va reprendre sa chaîne un peu plus tard, un peu après moi, une semaine après, le mercredi d'après, il reprend les gars avec du très très sale. MDG, une série de fous malades, les gars, vous allez péter un câble, machine de guerre avec un entraîneur pro MMA, c'est un truc de fou. Là, j'essaie de faire quelques entraînements avec eux, c'est archi dur, les gars. D'ailleurs, vous verrez quelques petits extraits dans la vidéo. Et les gars, c'est vraiment de la frappe atomique. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, elle sera dans la description. On va essayer de se lancer. Issa, comme on a dit, ceux qui ont suivi à l'époque, famille AGR, on a dit qu'on allait reprendre les vidéos sérieusement, essayer de vous proposer du bon contenu. Alors vous aurez le délire à Issa les gars, avec sa série MDG, ses vlogs, il a quoi, c'est Islog je crois, un truc comme ça. C'est ses vlogs qu'il fait toute la semaine, Issa, vous savez, c'est un peu un délire ce mec, vous voyez. Il part en freestyle, quand il a envie de faire un truc, il y pense, quand même, bah, il le fait, il se prend pas la tête. Donc comme je vous ai dit, pour moi, ça sera un petit peu des vlogs de la semaine. Parce que moi aussi, dans mon côté, bon je vous en parlerai plus tard, mais claque, j'ai repris un peu le sport. J'ai repris aussi... voilà la vie d'étudiant, parce que maintenant je suis étudiant, bon je suis en distanciel, je suis à la maison, mais j'ai un petit rythme d'étudiant, vous voyez les gars. Je vous proposerai des vlogs sur nos journées, vous verrez Omar aussi comment il a changé physiquement, c'est plus le même, vous allez pas le reconnaître les gars, il est devenu trop grand, il a vraiment vraiment changé, vous allez péter un câble. On se retrouve tout de suite pour la suite les gars. Happy birthday,
Happy birthday, Younes. Ils m'ont offert des prières. C'est bien, ah, c'est bien. Ça faisait grave longtemps que c'était pas vu. On a été victime de limite du Covid-19. Voilà, et moi, nous deux fois. Deux fois eux, une fois pour nous. Donc vous êtes immunisés. Non, pour ma part, c'est la première fois. COVID. Merci. D'accord. Incroyable. On fait la photo. Incroyable. Limite, t'en as pensé quoi du Covid? Parce que toi, tu l'as eu le Covid, faut que tu nous expliques. Ah bah, moi, je vais vous décrire. Je pensais qu'il m'a fait beaucoup de choses sur mon corps. Ah ouais? Bah oui, il y a quelqu'un. Oh, Messi. On dirait pas Messi qu'on avait 20 ans, la même coup. Messi, goal. C'est pas grave, viens dans la vidéo. Ouais, Myriam, elle avait de la fièvre, mais elle était très courageuse. On disait, ça va, Myriam? Elle disait, ça va, alhamdoulilah. J'étais tassé. Il y a un truc qui est tente. Moi, quand c'était Omar, il faisait dormir. Subhanallah, il jouait plus à l'appeler, plus rien, qu'il dormait. Non, je parle Covid. Bon, c'est bon, arrête de parler du Covid, c'est mon anniversaire aujourd'hui, les gars, ok? Vas-y, explique tout le thème. Soyez content d'être de ma famille. Le temps passe, les choses évoluent. Donc les gars, comme vous voyez, préparation de vidéo. On fait notre petite vidéo ici. Dégustation sur la chaîne de la Coffee Mate, dégustation produits américains. Mais il y a des produits ici américains. Ils nous ont mis un en plus. C'est sur un site. Ah ouais. Non mais ça c'est pas américain ça. En fait c'est sur un site. C'est japonais. Et après j'ai pris. Vous avez pas honte. Vous faites une dégustation de trucs dans un décor de musculation. Vous avez pas honte. Non parce que regarde, tout est fait exprès. Déma, tu viens, tu fais une traction. Tu sais faire une traction? Voilà, tu fais une fraction. Tu fais une fraction, tu fais pas une fraction, tu fais une fraction. Et après tu viens, tu manges. Genre tu te laisses pousser les cheveux? Ouais. Ah bien. Comme toi. Ah bien, c'est le copieur. Bon bah les gars, nous on va faire notre petite dégustation et on se retrouvera tout à l'heure pour qu'il ouvre ses vrais cadeaux. Son vrai cadeau. Ah, il y a des vrais cadeaux. Il y a un vrai cadeau, il y a un vrai cadeau. Viens la transition, tu dis ce que t'en penses. Bon là je vais la mettre. Bon les gars, là c'est le moment fatidique, Younes. Je suis allé en Allemagne, en Belgique et tout. Je t'ai pas trouvé de femme. On n'a pas encore un stock. Les stocks cette année, c'est mort. On est en Allemagne. Ils ont dit 2021. 2022, j'ai pas regardé, mais 2021, il n'y avait pas les stocks. T'as pas froid. C'est-à-dire, t'as vu le temps de déplacement et tout, je trouve une femme, j'ai pas trouvé. Par contre, je me suis dit, bon, Younes, quand même, c'est un mec gentil, il faut lui faire un petit cadeau pour pouvoir serrer des meufs. Ouais, mais le pour l'emmener juste dans le. Au cas où si ça non, apprend. Non, juste au cas où si ça apprend. Au cas où. Moi, Omar, présente lui son cadeau. C'est fort. Hein. Moi, je t'explique, il n'y a pas mieux pour serrer une meuf. Aïe! Que l'odeur corporelle. Il m'a mordu! Si tu sens pas une bonne odeur, la personne ne va pas être attirée vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Issa, il est témoin, Issa. Ah, Issa, il pue? Tout le temps du parfum. Non, mais tout le temps du parfum. Ah, tout le temps du parfum. Tout le temps du parfum. Et ça, j'ai. Merci beaucoup déjà. Ton mets est délicieux. Et ça, j'ai choisi un. Je l'ai senti. Quand je suis allé à truc, celui-là, il sentait bon. J'ai une bonne marque. Il y a écrit quoi? Yves Saint Laurent quoi? L'homme. Yves Saint Laurent. L'homme. Attends, fais voir. L'homme. C'est pour ça, c'est pour une fois. L'homme. Comment l'homme ça? Si même avec ça, t'as pas de meuf, c'est vraiment grave. Là, il faut. Comment l'homme ça? Il a parfumé sa montre. Waouh. Tiens un peu. Oh là là, c'est un homme marié. Un homme à marier. C'est bon? Attends, pas sur moi. Je le sens. Ça va? C'est bon. Ah, t'en veux pas? Non, merci, moi je tiens le mien. C'est quoi le tien? Moi c'est signature collection prestige. Saint Laurent, la femme. La femme. Signature collection prestige. Ou là tu prends un sultan collection prestige. Ça y est, senteur Aïcha. Toujours prestige. Prestige. Senteur Aïcha. C'est vraiment ça. En tout cas, j'espère que ça te fait plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir de ouf. Le parfum, c'est. Les gars, c'était l'anniversaire à Younes. Même si vous êtes en retard, n'hésitez pas dans les commentaires. Bombardez les anniversaires à Younes. Franchement, c'est un truc de ouf. Hey, tu sais que j'arrête de péter un câble. Je vais avoir 22 ans. Il va avoir 25 ans. Non. 25 ans. Non. 26 ans. Et toi, 28 ans. Mais on est vieux, les gars. Alhamdoulilah. Non, mais on a vieilli quand même, ça. On a vieilli. Mais le temps, il passe, plus on devient des hommes meilleurs. C'est vrai. Alhamdoulilah. Et je remercie Sofiane, il m'a volé mes claquettes. Regardez, je suis pieds nus, il fait froid. Mais les invités en premier lieu. C'est vrai. Tout à l'heure, il nous a prévu une petite surprise tout à l'heure. Ah oui. Donc on verra ce que c'est. Et on se capte tout à l'heure. Skid. Moi, je suis exclu. Les gars, elle est là, la surprise de Younes. Ok. Grec. Ok. Chicken. Omar, vas-y, fais. Regardez, j'allais dire, fais-nous un maxi-cro. Il peut pas faire de maxi-cro. Il a déjà fait un maxi-cro. Regarde sa bouche, Younes. Wesh. Un hamster, frère. C'est magnifique, Ada. Ouais, on va se régaler, les gars. Et encore bon anniversaire, Younes. Hein. Merci beaucoup, frère. Nous, on s'élève comme ça, frère. Attends, il va nous faire un petit maxi pro. Allez, c'est parti. Ça se voit qu'il a grandi. Il a dégommé tout le sandwich. Est-ce que dans des minutes, tu vas me dire que je suis calé? Je peux même plus.
Voilà, vous êtes bien. Il y en a qui jouent à Black Ops. Là, ils sont en réunion. Il y en a qui jouent à FIFA. Et quand on a passé une vraie journée, c'était wild. Et là, les gars, du coup, moi, j'ai pas fini. Minuit, j'ai entraînement avec Gator et Issa. Bonne MMA. Chance. Bonne chance. Ça va être compliqué. Français, je vais réussir à tenir. Non. Je pense, te connaissant, tu vas tenir. Parce que là, en plus, t'as pris grave de la force. Là, on a bien mangé cette journée-là. Du coup, là, je pense que tu vas être bien. En un coup de couteau, il meurt. Bon bah on se retrouve. Je crois que c'est l'heure d'aller dormir. Lui va dormir. Bon bah nous on se retrouve. Moi on va se retrouver à l'entraînement. Alors les entraînements avec Gator c'est comment? C'est l'armée. Non, aujourd'hui on a essayé de trouver un peu plus le mental. Je pense que c'est l'un des éléments principaux qui manque à Issa. C'est dans la tête. Faut qu'il soit solide. Bon bah c'est tous les. C'est quel jour les MDG explique un peu, tu nous dis un peu le thème. Le MDG, c'est tous les samedis à partir du 17 février, tous les samedis midi, avec Gator Steven Mendes Furtado qui est juste là. C'est grave le nom d'un MMA de renommée de fou. Ah non, puis bon. Mais c'est vraiment ton nom ? MMA, là, ça arrive MMA à rester branché, là, parce que là, ça va. Ouais, c'est avec mon poulain. Du coup, Soyez présents. Et venez la petite ! Il y a de la chaîne en description. Ouais, parle pas d'âge. Même quand t'es fatigué, la concentration, c'est dans la tête.